Allez, yop tout le monde, c'est BGK. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA Online. Et ça faisait longtemps, une vidéo information. Bon, vous le savez, en ce moment, sur le online, il y a pas grand-chose. Encore une fois, bon, on arrive bientôt à Halloween, donc ça devrait commencer à bouger. Je vais vous refaire pas mal de vidéos. Et je reviens par rapport à GTA 6 avant d'enchaîner avec GTA Online. Pour ceux qui l'ont vu, j'ai préféré ne pas vous faire de vidéo. Je vous invite à aller voir la chaîne de Rockstar Mag si jamais ça vous intéresse. Mais personnellement, j'ai préféré sauter le sujet et j'en parlerai quand il y aura des vraies informations officielles venant de Rockstar. Et j'ai vraiment très hâte d'un petit trailer là pour avoir une grosse hype. J'ai vraiment envie de voir cette beauté de GTA 6 et on verra comment ça se passe, peut-être un trailer avant la fin de l'année. Bref, revenons à GTA Online. On va parler aujourd'hui des événements de parachutisme qui vont bientôt arriver. Alors, on n'a pas encore de date, peut-être que ça sera avec Halloween, peut-être que ça sera à Noël, etc. On ne sait pas, ça peut sortir la semaine prochaine comme dans un mois. C'est toujours pareil, hein. C'est comme les concessions auto. On ne savait pas quand ça allait sortir vu que le premier jour du DLC, donc le 26 juillet, il n'y avait rien sur l'online. Et au final, c'est arrivé une semaine après. C'est comme les collectibles pour Halloween, peut-être ça viendra une semaine en avant, peut-être ça sortira pile le jour d'Halloween, enfin, si c'est un jeudi encore une fois. Mais on verra. Alors, je vous avais fait déjà une vidéo par rapport à ces événements de parachutisme. J'avais expliqué qu'il va y avoir eh bien, 10 sauts à faire. Vous avez des sauts à faire chaque jour. De toute façon, on va en reparler dans cette vidéo. Ensuite, je vous avais parlé d'un sujet bien plus intéressant. Donc, les récompenses, ce qu'on aura avec ces sauts en parachute. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, tout d'abord, petit récap par rapport à ces fameux sauts en parachute. Donc, chaque jour, il y aura 10 sauts à faire en parachute. En faisant un saut, vous allez pouvoir gagner jusqu'à 5000 GTA dollars et 2500 RP. Donc ça, c'est pour les médailles d'or. Je vous mets un screen à l'écran. Donc vous voyez quand vous faites la mission en or, donc que vous complétez tous les objectifs. Donc 5000 GTA dollars et 2500 RP. Franchement, c'est pas mal. Si on en a 10 à faire par jour, ça se tient et moi, ça me va. Ensuite, pour avoir terminé les 10 sauts en parachute par jour avec des médailles d'or, vous obtenez 50 000 GTA dollars supplémentaires. Donc si vous faites les 10 sauts en parachute en une journée et que vous remplissez toutes les conditions, donc vous allez avoir 50 000 GTA dollars en plus. Et franchement, c'est cool. Et au total, entre tous ces sauts en parachute, donc si vous faites les 10 sauts en parachute plus les 50 000, vous allez pouvoir gagner jusqu'à 100 000 GTA dollars et 25 000 RP par jour. Donc en vrai, c'est cool. En 7 jours, t'as 700 000. Et si tu le fais tous les jours, bah après, c'est... Il faut voir si c'est vraiment long ou quoi. Bon, après, on revient par rapport au mode histoire. Ça sera un peu un délire comme avec Dom. À voir comment ça se tient, comment ça se passe et comment ça se présente surtout. Ensuite, en terminant notre premier saut en parachute, nous allons pouvoir débloquer le sac harnais Junk Energy. Et en terminant les 10 sauts en une journée, vous allez débloquer le parachute Junk Energy. Vous le voyez, je les trouve super stylés. Donc vraiment, j'ai bien hâte que ça sorte et j'ai hâte surtout qu'il y ait des informations sur le online. Il faut repartir dans quelque chose, ça serait vraiment cool d'avoir, je sais pas, même un petit événement. Bon là, j'espère que ça va sortir prochainement, ces petits sauts en parachute. Mais bon, en tout cas, dès qu'il y a des infos sur GTA, j'essaye de vous le sortir au plus vite. Bon, après les promotions, vu que j'y cours, c'est un peu compliqué pour les sortir à une heure, ou fait, dès que ça sort, quoi. Donc c'est pour ça que ça sort le soir. Et puis voilà, quoi. Mais écoutez, on se retrouve très bientôt. Alors, je ne sais pas quand cette vidéo sort, mais logiquement, ça sera avant le live de samedi soir. Donc en fait, d'aujourd'hui. Je vous invite à venir pour ceux qui sont sur PS4, la liste est à 30. Donc n'hésitez pas, on va s'amuser. J'ai hâte de vous voir, mes petits non classés. C'était BGK, merci à vous d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt. Plein de bisous, ciao tout le monde.